Allô, bonjour la famille, bonsoir, bonjour, ça dépend de quel élève chez vous. Bienvenue encore sur la chaîne de l'élève au Japon. Voilà, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo rapidement par rapport à la lettre de recommandation pour les boursiers, les gens qui passent la bourse d'études pour le Japon. Il y a beaucoup de candidats qui m'ont envoyé beaucoup de questions sur YouTube, en inbox, sur ma chaîne LDR au Japon. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo très très rapide pour eux, pour expliquer un peu comment est-ce que vous remplissez cette fiche-là et puis les fautes qu'il ne faut pas faire, les erreurs qu'il ne faut pas faire. Et puis comment est-ce que le recommandeur, les recommandés doivent travailler pour remplir ensemble cette fiche. Voilà, dans un premier temps, je vais remplir la fiche moi-même, complet, tranquille. Et puis je vais accélérer la vidéo pour ne pas que ça soit trop long. Et puis après, venir pour vous expliquer étape par étape, ligne par ligne, tout ce que vous devez mettre à l'intérieur. Voilà, aujourd'hui je veux dire merci à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'a acheté un cadeau. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai aidé, qui est venu au Japon il y a quelques années et qui m'a offert ce petit microphone-là. Donc voilà, la prochaine fois, si je suis ici dans mon petit nouveau bureau et tout, voilà, je vais utiliser ce micro-là. Il n'est pas encore déballé. Donc voilà, merci. Voilà, c'est comme ça. Moi, ça me motive, ça me touche les petits cadeaux comme ça. Hein. Donc vous pouvez faire les cadeaux, on ne refuse pas les cadeaux. Voilà, qu'on partage, qu'on trouve des moyens pour me motiver, vous voyez. Voilà. Donc là, je fonce comme ça à l'ordinateur. Ah, voilà, comme j'ai dit, là, je suis à l'ordinateur. Je vais remplir la lettre de recommandation, un exemple. Et puis, vous allez vous inspirer de ça pour pouvoir remplir votre. C'est pas compliqué, mais il y en a qui ne comprennent pas beaucoup le principe et tout et tout. Donc voilà, on reste là. Je vais accélérer la vidéo pour pas que vous ayez à voir tout ce que je fais. Je tape. Après, je vais vous expliquer rapidement. OK? Voilà, là j'ai fini de rédiger, tranquille, c'est bon, c'est bien. Et voilà, j'ai parlé au nom de, si vous voulez, je suis Bakayoko Yves Michel, Yves Laurent Michel. Et c'est moi qui ai rempli ça en tant que le professeur de mathématiques de cet étudiant. Cet étudiant c'est Elder Langevin et moi je suis son professeur de mathématiques. Donc faut savoir que cette fiche-là, voilà comment ça se passe. L'étudiant, il remplit seulement la partie en haut, il met son nom et son prénom et tout et tout. Et c'est fini, c'est tout ce qu'il lui a à faire. Ensuite, il la met dans une enveloppe s'il veut et il la remet au professeur physiquement. Ou bien, si le professeur insiste, il peut l'envoyer par mail. Et quand le professeur, celui qui recommande ça, le recommandeur, je ne sais plus trop comment dire en français, quand le professeur finit de remplir, il y a une manière spéciale de remettre l'enveloppe à l'étudiant. Donc je vous explique ça avant de vous montrer ce que j'ai saisi à l'ordinateur.
Voilà, donc là c'est l'enveloppe, j'ai pas de petite enveloppe, donc excusez-moi, je vais faire la grande enveloppe, c'est l'enveloppe qui est là. Et on suppose que là c'est la lettre de recommandation. Donc le professeur, la personne qui recommande. Donc j'insiste, celui qui recommande, ça peut être soit un professeur, soit quelqu'un du monde professionnel. Si vous avez travaillé déjà, si vous avez fait un stage, si vous êtes dans une entreprise, ça peut être quelqu'un de ce monde professionnel ou bien un professeur qui vous a eu à l'école ou bien le directeur des études. En tout cas, pas un membre de la famille. Ok, c'est important. Pas un membre de la famille. Quelqu'un avec qui vous avez bossé, vous avez étudié, vous avez travaillé. Donc, quand cette personne a fini, il va prendre comme ça. Donc, il a tout rempli et tout et tout. Maintenant, en bas de la fiche, il y a date et signature. Donc, la signature qu'il va mettre. Donc là, on fait une signature. Donc, il va faire la signature. Donc, attends, je vais prendre la signature. Voilà. Je suppose que c'est la signature du professeur qui est là. En bas du document de la lettre de recommandation. Quand il finit, il met ça dans une enveloppe. Voilà. L'enveloppe est là. Et au mot, après avoir mis la colle, après avoir scellé, après avoir mis la colle ici, fermer l'enveloppe, le professeur doit encore signer là, juste là, comme ça, voilà, entre là et la fermeture de l'enveloppe, donc la même signature, voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est comme ça que ça se ferme, ça c'est pour valider l'authenticité, vérifier on va dire la confidentialité, donc si l'étudiant après ouvre, l'ambassade va refuser, donc que ce soit fermé avec la signature comme ça, c'est scellé, c'est authentique. C'est celui qui recommande le professeur ou bien le maître des stages ou bien le directeur, celui qui recommande, c'est lui seul qui sait ce qu'il y a à l'intérieur jusqu'à ce que l'ambassade ouvre. Donc voilà comment ça se passe. Si il ne veut pas signer comme ça, s'il a un cachet, un tampon, alors il met le tampon sur la fiche à l'intérieur, il met le tampon sur la fiche et le même tampon, le même cachet encore, il le met là-dessus, là, juste au milieu, juste entre les deux, comme ça. Il met comme ça pour que ça prenne ici et là. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme ça. Il faut que ce soit un peu dans ce style-là. Donc, dès que quelqu'un d'autre ouvre, c'est plus authentique. Voilà. Donc, je pense que c'est clair là-dessus. C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on dépose. Le recommandeur met à l'intérieur, il signe et il scelle. Voilà. Voilà. Je vais expliquer chaque champ de cette fiche-là, comme ça c'est plus rapide. On commence par le haut ici, applicant names, voilà, donc c'est vous mettre votre nom, pardonnez, celui qui veut postuler pour la bourse du Japon, il met son nom de famille là, et puis son prénom, et puis si son nom est long, il met les autres noms là. Et quand il finit ça en bleu, comme ça, son nom et son prénom, c'est fini, il n'a plus rien à faire sur cette fiche, ça c'est lui, c'est tout son travail. Il met dans l'enveloppe, ou bien il envoie par mail au professeur, à la personne qui va lui recommander. Ensuite, celui qui va lui recommander, il prend la fiche. Et c'est aussi facile, il écrit son nom. Ici, j'ai pris l'exemple de Monsieur Bakayoko Yves Laurent Michael. Et son titre, il est quoi? Il est professeur de mathématiques. Et il enseigne dans quelle institution? Au lycée moderne de Bamako. C'est là-bas qu'il enseigne son institution. Et son titre, c'est professeur de mathématiques. Et on demande son adresse. Donc, il me met l'adresse ici de l'école où il enseigne ou bien de l'entreprise où il travaille. Après son numéro de téléphone, parce que l'ambassade mène des enquêtes. Si vous ne savez pas, je vous le dis que chaque fois que vous déposez vos documents, il y a une enquête qui se fait après. Donc, on peut appeler Monsieur Yves Michel, pour lui demander si c'est vraiment lui qui a rempli tout et tout, et le contacter. Donc, il met le téléphone et puis il met son email. Donc, ça, comme j'ai dit, ça, c'est pas mon email adresse, ok? Voilà, on va s'arrêter là. Pour ceux qui suivent ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne Eldero Japon, c'est important. Mettez des likes si vous n'aimez pas, mettez des dislikes et puis dites-moi pourquoi vous n'aimez pas. Vous pouvez mettre des questions, je vais m'arranger pour trouver du temps pour vous répondre. Voilà, donc on continue. Après le email adresse, c'est la partie qui devient intéressante. Il a 9 questions à remplir. Et la première question, on veut savoir pour qu'il vous recommande, de quand à quand est-ce qu'il a travaillé avec vous. Donc, from when to when, de quand à quand. Donc, j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui a eu son bac. On suppose que Elder Langevin d'avoir son bac,
Donc, le professeur de mathématiques, c'est un professeur en première et en terminale. Et donc, il met 2016-2018. C'est quel type de relation entre les deux? Donc, voilà, là, il y a le professeur, la relation professeur-étudiant, professor-student relationship. Voilà. Après ça, on commence à rentrer dans les questions concernant le boursier, le candidat. So, on commence comme ça, dans quel domaine? Voilà, ici. Voilà. Dans quel domaine, dans quel area l'applicant a besoin d'improvement, il a besoin d'amélioration ou bien il a besoin de supervision. Donc là, il faut être franc. Il faut être franc, c'est pas la peine de mentir, c'est pas forcément la peine de donner les faveurs à l'étudiant. Ça compte pas, on va dire, pour tout, mais il faut être franc. Donc moi, j'ai mis un exemple, communication and presentation. Ça veut dire que LDR Langevin, qui est le candidat, il est bon, mais il n'arrive pas à communiquer bien, il ne présente pas bien ses travaux, ses exercices. Donc, c'est là-bas qu'il a besoin de qu'on l'aide. Donc, tout le monde n'est pas parfait. Donc, si vous, si il met, y a pas de, y a pas besoin d'improve quelque part, c'est que c'est mort pour vous. Il faut forcément avoir. Tout le monde a un petit truc bizarre, quoi, un petit défaut, un truc qu'on doit arranger. Voilà. La quatrième question. Please comment on application interpersonal skill. How well does he or she work with your team? So, voilà, quand il travaille dans une équipe, comment ça se passe? Est-ce qu'il travaille bien? Donc, là encore, le commentaire du professeur. In a team, work pretty well. However, it's hard for him sometimes to prepare his idea and opinion. Donc, en équipe, il travaille très bien, mais souvent, c'est difficile pour lui de partager ses idées, ses opinions, son opinion et tout et tout. Parce qu'en gros, on a dit qu'il a des problèmes de communication et de présentation. Du coup, ça supporte vraiment ce que le professeur a dit. Voilà, il n'arrive pas à communiquer, mais à présenter quand il est parmi dans une équipe. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais étudiant. Voilà. Et j'insiste, cette fiche-là, elle doit être remplie en anglais. Donc, si votre professeur ne parle pas anglais, c'est un peu compliqué pour lui, mais il faut que vous remplissiez ça en anglais. Voilà. Et puis, je vous conseille aussi de remplir ça à la main, pas à l'ordinateur comme j'ai fait. J'ai fait à l'ordinateur pour vous montrer. Mais si vous pouvez l'imprimer, donnez au professeur et puis dites-lui de remplir à la main, c'est beaucoup plus bien. Voilà, que l'ordinateur. Mais s'il n'y a pas d'ordinateur, pardon, s'il veut pas la faire à la main, il insiste que vous lui envoyez à l'ordinateur, il n'y a pas de souci. Mais à la main, c'est beaucoup plus, vous voyez, c'est comme c'est naturel, quoi. How would you like to describe African skill? So, how, la question numéro 5, comment vous pouvez décrire le skill en matière de leadership? C'est quoi le skill déjà? Skill. Talent? Ouais, je pense que skill, ça veut dire talent en français, peut-être. Voilà, en matière de leadership. So, j'ai répondu encore toujours dans la même idée. I will say he has an average leadership potential. Donc, il a un potentiel de leadership moyen. Il n'est pas fort leader, il n'est pas bad leader, il n'est pas very good leader, average. Donc, ça va. C'est toujours quelqu'un qui a des problèmes de communication. C'est dans ce truc-là qu'il se trouve. Et please comment on application degree of self-confidence. Donc, parle-nous un peu du degré de confiance. Degré de confiance. Moi, j'ai le problème de switcher de l'anglais au français parfois. Parfois, le japonais, français, tout ça, c'est compliqué. Donc, voilà. Expliquez-nous un peu le degré de confiance de l'applicant, du candidat. Donc, j'ai répondu When working on a task alone, quand il travaille seul, one can tell that Langevin is confident of what he's doing. So, on peut dire qu'il est vraiment en confiance avec ce qu'il fait, quand il travaille seul en tout cas. Et parce que j'ai dit en haut qu'il a des problèmes de communication, donc je suis obligé de garder mon mensonge jusqu'à la fin. Ok? Voilà. He always trying to achieve great results and like well done job. Donc il est toujours en train de chercher à atteindre de bons résultats et puis il aime le travail bien fait. Voilà. Donc ça c'est par rapport à la confiance que moi en tant que son professeur je pense qu'il a. Please comment on the applicant personal character. Voilà, au niveau numéro 7, question numéro 7, pardon. Personal character. Qu'est-ce que je peux penser? Qu'est-ce que le professeur pense de vous de façon personnelle, vos caractères? Donc, moi, j'ai mis tranquille un truc pour faire marrer un peu. I think this guy is shy. I think he's a shy guy. This guy really needs a girlfriend. Donc, quand vous mettez un truc, comment ça fait un peu rire tu vois, le monde du jury. Et puis, voilà, c'est bon. Vous n'êtes pas obligé de mettre exactement ce que j'ai mis là. Hein. N'allez pas copier ça pour donner à tout le monde. Ils vont savoir que vous avez vu ça sur YouTube. Ok? Voilà. C'est juste pour vous donner comme une idée. Et puis, qu'est-ce qu'il recommande? Est-ce que lui vous recommande pour la bourse? Voilà. Donc, il vous recommande moyennement, ou bien il vous recommande avec réservation. Donc, ça va être, ça va dire que vous, tu vois,
Voilà. Donc généralement, c'est recommande, strongly recommend or recommend. With reservation, c'est que le professeur là, n'aime pas votre affaire, comme on dit. Et puis en bas, la question numéro 9, la dernière question. Il faut écrire tout ce que tu viens à la tête par rapport au potentiel du candidat. Donc là, j'ai fait, c'est là qu'il faut écrire tout ce que vous voulez dire de bien sur le candidat. Donc moi, j'ai mis comme son ancien professeur, étant donné que je suis son ancien professeur, je peux dire que ce gars-là, il est full of capacity and work very hard. Donc il travaille dur, il aime le travail acharné. Voilà, c'est une tête pensante. Voilà. So, je ne l'ai jamais vu découragé, mais je l'ai jamais vu abandonner quelque chose qu'il voulait vraiment faire. Tout ça, j'ai mis ça ici en anglais. Donc voilà, c'est comme ça qu'on remplit cette fiche-là. Quand vous finissez en bas, signature, la signature dont je parlais sur l'enveloppe, ok? Voilà, n'oubliez pas, c'est la même signature. Donc s'il signe comme ça ici, signe comme ça là, ici, il doit forcément signer là aussi, c'est pareil. C'est la même signature, ok? Voilà, sinon ça ne va pas valider votre dossier. S'il signe, il fait deux signatures différentes, c'est comme si vous avez ouvert, c'est comme si le candidat avait ouvert, il a lu, et puis il a essayé d'imiter la signature. Donc voilà, il faut qu'il signe à l'intérieur sur le papier et puis sur l'enveloppe, et il vous remet, il remet ça au candidat. Il va pas remettre ça à l'ambassade, c'est pas son travail. Il met dans l'enveloppe, il ferme et il remet au candidat, et c'est vous qui allez déposer tout ça avec les dossiers. Voilà, donc c'est tout pour cette fiche là n'oubliez pas, abonnez-vous, et c'est vraiment vraiment important, ça me motive, je dis tout le temps, ça me motive. Voilà, quand je me lève le matin, je vois plus un abonné, plus cinq abonnés, moi je suis déjà content. Voilà. Donc c'est tout pour le moment, et puis du courage, la bourse du Japon, on est en plein dans le machin, moi je reçois tellement de messages. Les gars, il fallait venir un peu tôt, moi je suis commencé à être débordé. C'est tout pour moi aujourd'hui, si vous voulez vous présenter la lettre de recommandation, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, mettez des likes. Ne soyons pas trop méchants entre nous, partageons. Ok, du courage à tous les candidats, et puis bientôt je vais faire une autre vidéo par rapport à une autre fiche pour la bourse. Je pense que je vais attaquer un peu légèrement, je vais brosser un peu légèrement le research proposal, le plan de recherche. Ça fatigue beaucoup de gens alors que c'est très très facile. Je vais vous expliquer ça plus tard peut-être. Ok, bye bye.